Alors, c'était comment la première fois ? Ben, ma première fois, j'avais un peu peur en même temps. J'étais tout excitée, quoi. C'était bien, j'étais un peu anxieux. J'avais peur de mal faire les choses. C'était pas facile. Ouais, vraiment, c'était pas facile. J'ai flippé et... j'osais pas rentrer. En fait, je m'attendais pas à le faire si tôt. Du coup, pour me détendre, j'ai regardé vachement de vidéos sur le web. Heureusement, il y avait des amis qui étaient là et ils m'ont bien poussé et ça s'est bien passé. C'est moi qui décide de combien de temps ça va durer, de comment on va le faire, avec qui on va le faire, à combien on va le faire. Ouais, ça a bien duré une bonne heure et demie. Heureusement, on a fait des pauses, on a fait 3x30. Parce que bon, je suis pas une machine non plus. Ce qui m'a vraiment mis en confiance, c'est que bon, on était novices. Ah non, non, j'étais pas tout seul, non, on était... si je compte tout le monde... 12, 13, 4, 15, 16 ? 15 ou 16. Là où ça m'a surpris à un moment donné, c'est que... Enfin, on l'a fait avec accessoires. Voilà, c'est une addiction. Enfin, je suis addict, quoi, ouais. Je pense, vraiment. Je l'ai fait en déplacement. Je suis allé dans d'autres villes, en fait. J'ai fait ça en extérieur, dans une cour d'un château. Dans une salle de maternelle. Des lieux, il y en a plein. J'ai fait ça dans un festival. Et maintenant, dès qu'on me le propose, quel que soit le lieu ou les personnes, je fonce. En même temps, j'ai pas tout vous raconter, il faut venir voir. C'est qu'il y a quand même 400 personnes qui payent pour te regarder. Et on est jugé pour ça. Il faut bien qu'il y ait des gens qui nous regardent, sinon on fait ça dans notre salon, quoi. C'est cliché. C'est dans une patinoire, en fait. Bah oui. Mais faut bien qu'il y ait la patinoire. Si elle est pas là, on n'existe pas. Mais en fait, on parle de quoi, là? Moi, j'aime quand même bien donner des punitions, quoi. Surtout quand ça fait sortir les gens. En même temps, c'était le pied. C'était l'éclat total, quoi. Le truc de malade, j'avais jamais vécu ça, quoi, c'était... Puis après, il y a quelqu'un qui est venu me rejoindre, et puis après, on était 2, 3, et on a fini à 12, ouais. Et ça a duré 2 minutes. Faut pas non plus, faut laisser la place à l'autre, quoi, j'en suis consciente, mais... mais bon, j'aime bien quand il y en a que pour moi, quoi. Vivre d'une passion, c'est... Je pense que c'est le plus beau métier du monde, hein. Moi, c'est... Oui, effectivement, ce serait mon rêve d'en faire mon métier. C'est... J'ai envie de faire des conneries. J'ai envie de raconter n'importe quoi.